Alors on se lève. On voit ce truc. Ok, d'accord, on voit strictement rien. Donc on va résumer ce qui s'est passé la dernière fois. Alors la dernière fois, nous étions partis. Donc on était au lac Mystère et j'avais l'intention d'aller récupérer l'élan, la peau de l'élan, de tuer l'élan à Muskegmorn. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé à Muskegmorn, on est tombé sur 4 loups en tout. 4 loups. On s'est fait les 4 loups. On est même allé dans les hauteurs de Muskegmorn, c'est là le surplomb. On a trouvé un endroit ici, nous on venait d'ici. On a trouvé un endroit d'ici, ça c'est la forge, cet endroit-là. Et entre les deux ici apparemment, on est tombé sur une grotte du coup. Donc on l'a suivi et on est tombé ici, la crique lugubre. Donc je suspecte qu'on soit là. Parce que nous on venait d'ici, après là c'est le surplomb. Et la grotte elle était sûrement par là et là il y a la forge. Donc du coup je pense qu'on est là. Donc ça a l'air d'être une grande zone avec un lac. Je sais pas trop. J'ai envie d'aller visiter, mais on est quand même. Enfin, on n'est pas très bas en ressources, mais on est bas en vie. C'est ça le problème. On est bas en vie. Après, on a beaucoup de calories, tout ça. On a ça, ça. Enfin voilà. Et on peut manger du loup, il n'y a pas de problème. Et on a des massettes si jamais on est dans la merde. Et on a trouvé aussi cette grotte, du coup cette grotte il fait chaud, donc on peut plus ou moins camper à la grotte. Mais ça peut être un problème. Mais ça peut être un problème. Donc on va devoir utiliser. Ouais. Par contre, ah oui, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'allumettes. On a 9 allumettes, on a la loupe et on a le Fire Steel. Fire Steel qui est seulement à 27%. Je crois qu'on va devoir allumer une allumette. Donc on va voir comment ça se passe. Ramasser ça. Où est-ce qu'on sort? On va garder le bois de chauffage. On est à combien de kilos? 33 kilos. On a beaucoup de bois sur nous. Ouais, ça doit être la sortie. On a beaucoup de bois. Donc on peut... On peut peut-être trouver un endroit et se... Et se cacher. Oh mon dieu, il fait froid. On est protégé du vent, ça va. On va continuer sur le côté gauche, comme ça on est protégé du vent. Je connais pas du tout la zone. Je sais pas ce qu'il y a. De ce que j'ai vu pour le moment. C'est quoi ça? C'est un loup? Ah non, si c'est un loup mort. Carcasse de loup. Hein? Carcasse de loup? Comment ça, carcasse de loup? C'est qui a tué le loup? C'est qui a tué le loup? Okay, là on a une chute d'eau. Ça va, il fait pas assez de vent pour que... Pour que ça souffle. Ça souffle notre torche. Excusez-moi, j'ai la gorge qui... Enfin, la voix qui part un peu. Où est-ce qu'on va? Il faudrait trouver des bâtiments. Ok, on a une deuxième chute d'eau. Je vois strictement rien d'intéressant. Par contre, non, mais c'est vraiment une vraie question. Qui a tué le loup? Un élan, peut-être? Ah, peut-être un élan. Là, on voit rien.
Si jamais on a besoin de s'arrêter, on va pouvoir s'arrêter parce qu'on a plein de bois pour faire du feu. J'entends encore une chute d'eau. Ah, grotte, 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 grotte. On voit. C'est quoi ça? Grotte. Ah, il fait chaud dans la grotte. Ouh, il y a des objets. Fabrication de munitions et sac à dos. Il y a un bord. C'est quoi ça? Analgésique. Ouh, 8 degrés? Il fait 8 degrés dans la grotte. Ah, mais c'est bien, on va se réchauffer ici. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah tant mieux, qu'est-ce que j'ai que je vous dise? Tant mieux, tant mieux. Par contre, on va manger ça. Ça, on le garde pour appât, si jamais on a besoin. On va manger ça aussi. Ça nous fera des calories. On va boire, parce qu'on est un peu lourd, en fait. On est un peu lourd. Ok, risque d'entorse, hypothermie, très bien. On a plusieurs doses, on a ça, et après on a encore les antibiotiques. Ok, on est pas mal. On va en profiter. Et on va en profiter vu qu'il fait... Elle est pas très fatiguée par contre, on va dormir, on va voir 3 heures. Ça m'étonnerait qu'elle dorme 3 heures, mais on va voir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il fait, vachement chaud dans au fond de la grotte en fait. Ok. On est quoi? Il est à minuit. Minuit. Bon bah on peut continuer notre exploration. Oh c'est très bien, hein, c'est vraiment bien. On va continuer notre exploration. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va, mais on y va. On va récupérer ça. Pour faire des tisanes si jamais on a besoin. Oh, c'est aurore boréale ici. Okay. Je vais pas beaucoup parler parce que je vais écouter si jamais on entend des bestioles. Elle a froid. Est-ce qu'on voit des endroits intéressants? Je vois rien d'intéressant. Il n'y a pas de bâtiment. Il n'y a rien. On peut monter. Ah, il y a un pont. Mais je peux pas monter par là. Faire le tour. Ouais mais attends, là je suis sur le lac là. Il y a des lumières là-bas. Non. Ok, on peut pas faire le tour par là. Par où je passe pour monter? Il y a un pont. Je voudrais bien monter en fait. Je vais tester un truc. Sinon après on va se réchauffer dans la grotte. On va tester un truc. Non, ça marche pas. On va aller se réchauffer. Donc on a un pont au-dessus de nous.
On a un pont au-dessus de nous, donc il y a sûrement des habitations. Et là-bas, il y a des lumières. Donc il y a sûrement bâtiments aussi. Il y a sûrement bâtiments, ok. Bon, on arrive à... On a peut-être des plans, là. Parce que sinon, moi, honnêtement, je repars. Ok, on a chaud maintenant, ça va. Sinon, moi, honnêtement, je pars. On repart chez nous, hein, parce que là... là, j'avoue que c'est un peu la merde. Bon, par contre, je crois qu'on va prendre une tisane. Pour se remettre un peu de vie, on va dormir, dehors 2 heures. Enfin, je sais pas, elle est pas super fatiguée, donc on va voir. On va voir ce qu'elle veut faire. On a 2 degrés. Ouais, il commence à faire très froid aussi dehors. Il commence à faire très froid parce qu'elle... on ressent moins de... Ouais, maintenant on a froid, ok. Yes, ok, d'accord. Bon, allez, on se casse. Du coup, si on peut pas monter, on va faire le tour. Enfin, si on peut pas passer par là, on va aller de l'autre côté. Oh, ça? Par là? Par là peut-être? Ça là, le tronc d'arbre là. Ça fait un pont. Mais comment on y va? Enfin, est-ce que c'est de ce côté qu'il faut y aller? C'est surtout ça la question. Est-ce que c'est par ce côté qu'on monte? J'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être super haut. Ouais, bof, non. Là, il y a des bois au centre. On va aller récupérer. Bon. Plan B, vu qu'on peut pas monter, plan B, on va aller voir là-bas, là. Il y avait des lumières, donc on va aller de l'autre côté, l'autre rive. On va aller sur l'autre rive. Oui, oui, je sais. Delta jeu, ok, on est... Oh, il y a une... un truc de chasseur, là. Yeah. Dis-moi qu'on peut passer... tombe pas dans l'eau. Ok, c'est bon. Tu veux monter ça ou pas? Oh, putain, tu fais chier. Okay. Ok, ok, pas mal, pas mal. Très bien. Cachette de chasseur, il y a strictement rien, ça fait plaisir. On va récupérer ça. J'entends des loups. J'entends des loups. On va les éviter. J'ai pas trop envie de... Faut qu'on se réchauffe, faut qu'on trouve un endroit là. Dis-moi qu'on peut passer. Ok. Bon, là on coupe... Attends, c'était où qu'on avait vu des lumières? Il fait encore aurore boréale. Oui, là-bas. Là-bas. Avance. On avait eu l'icône comme quoi ça cassait.
Bon, par contre, on a froid, mais c'est un problème. Ça. On va devoir un peu tracer. Ouais, là-bas, il y a du truc. Les bâtiments. Merde. Ah, me dis pas qu'il faut que j'aille au bois là-haut. Attends, on va tester. Go. Ok, ce moment est passé. Oh putain, on n'a pas de vie. Il faut trouver un endroit pour se réchauffer, se reposer. Faut qu'on dorme dans un coin. Faut absolument qu'on dorme dans un endroit. On dirait que cette lampe bouge. On dirait que c'est un truc qui... On dirait pas qu'elle clignote, on dirait qu'elle bouge de droite à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est bizarre. C'est quoi ce bordel? Quoi cette zone? Oh, il y a des bâtiments là. Mobile home délabré. Est-ce qu'on peut se reposer ici? Oh! Oh yes! Oh mon dieu, la vie qu'on a. On a plus de vie, quoi. On peut dormir ici, on a le sac de couchage. On peut dormir ici. Oh putain. C'est pas mal. On a encore des calories. On n'a pas grand chose. On a vraiment pas grand chose. Ça. Là y'a rien. Attends, on peut pas trouver de la nourriture. Pour une fois, je voudrais bien trouver de la nourriture, honnêtement. Ah bah tiens, voilà ça. Oh, il y a un lit. Oh, cool, il y a un lit. Ouais, il y a un petit lit, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympathique. Je voudrais pas trop perdre, en fait, le buff qu'on a. D'accord, bon, bah ça, non. Ça, on va le garder pour le moment. Du coup, on va dormir... ouais, mais elle est pas fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Ok, ça, ce qu'on a trouvé, c'est détruit, donc on va les recycler. Ah, vous avez vu la vie qu'on a, quoi. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment très mauvais. Ça, pour le moment, on va le jeter, parce que comme ça, ça séchera. On a beaucoup de morceaux de bois. On peut faire ça. Pour qu'elle se fatigue. Voilà. Et après, on va aller au bâtiment, je crois, qu'on a vu au loin. Honnêtement, faudrait rentrer. On va taper dans les réserves de calories, c'est vraiment pas bon. Ou alors, faudrait trouver, je sais pas, une carcasse, ou un cerf, ou un loup, quelque chose. Parce que là, on peut faire un feu, mais bon... on peut faire un feu, mais on a rien à la cuire. Voilà, je voulais jeter ça. Ouais, on va dormir. On va prendre ça. Et on va dormir le plus longtemps possible. Ce qui est au final pas vraiment très long. Attends, ça... On va mettre là. Voilà. Bon, avec de la chance, il va faire jour et il va pas trop faire froid. Et après, on va aller visiter ces bâtiments au loin, là. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de lumière, donc... Ok, on a récupéré pas mal de vie, ça va, c'est bien. On va prendre ça. Ah, la boîte, on l'a fouillée, la boîte, ou pas? Non, elle est pas fouillée. Ok. Regarde si on n'a pas loupé des trucs. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là y'a rien. Là y'a rien, ok.
Bon, on a récupéré pas mal de vie. Ça va, c'est bien. On va encore. On a le statut amélioré ou pas? Non, on va faire ça. On va faire ça. Je crois qu'on en a récupéré d'autres aussi, non? Non, on n'a pas d'écorce. Non, 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 on n'a plus d'écorce. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça nous donne. Alors, bon, j'espère qu'on va trouver des trucs intéressants. On est à combien de kilos? Ok, on va arrêter de prendre des bouts de bois, parce que sinon on va être surchargé. Donc là-bas, on a vu qu'il y avait des bâtiments, donc on va voir là-bas. Par contre, je vais juste faire le tour, vite fait. Voir si on peut pas trouver... Non, ça, on dirait un pont, mais c'est pas vraiment un pont. Là, y a rien. Oh! Yes! Allumette, ok, très bien. Pour ça, je regarde toujours sur les bidons et tout ça. Quand il y a des bâtiments. Ok, là, y a rien, là, y a rien. Ah, là, déjà froid, quoi. Bateau renversé. Oh, boîte. Là. Là, non, il n'y a rien. On va... Oh, mon... Mais il fait combien? Il fait moins 26, putain, merde. Bout de bois. J'avais dit qu'on arrêtait de prendre du bois. Hein. Ok, on va se réchauffer encore une fois. Oh, mon Dieu. C'est un peu la catastrophe, là. On a 35,74. On va dormir. Ah, mais elle va pas vouloir dormir, elle est en pleine forme. On va juste devoir attendre et se réchauffer, je crois. Alors après, il y a aussi un truc, parce que elle a son repos maximum en fait qui est abaissé. Mais peut-être que... Oui, je crois qu'on a dormi 2 heures. Ah oui, il faut prendre notre... On n'a pas pris notre... Can you eat trees? Cause ça. I'm gonna eat a tree. Ouais, on n'a pas pris notre médicament. Okay, 15 sur 20, très bien. Ok, c'est parti. On va ressortir. Ouais, on baisse en calories là, on baisse en calories. Il va falloir faire quelque chose. Ou alors on... On va voir. Pour l'instant, on va rien faire. Oh mon Dieu, il fait froid encore. Pour l'instant, on va pas manger. Parce que il va falloir voir si on continue à être en positif pour garder le bonus. Sinon, si on trouve rien, genre de la viande de loup et tout ça, si on trouve vraiment rien, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que on va s'affamer en fait. Mais bon, pour être honnête, je préférerais pas faire ça parce que on va peut-être pas monter parce que j'ai peur qu'il y ait des loups au-dessus. On va... Enfin, je préférerais être dans des bonnes conditions pour éviter de perdre de la vie. Il y a un pont aussi. Ah, ne dis pas qu'il y a un comité d'accueil. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ça. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi cette barre? Oh merde. Merde, on est entouré. 1, 2. Ou 4. Qu'est-ce qu'on a contre ça? Oui, on a ça qu'on avait trouvé. La fusée nautique. Est-ce qu'on peut... Hmm.
va pas pouvoir rester là indéfiniment. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on voit une porte? Est-ce qu'on voit une porte? Je vois pas de porte. Yeah, ok, on va pas pouvoir leur tirer dessus. On va faire ça, on va tester ça. Waouh, le bruit que ça fait. Ok, ils ont peur. Restons calmes. Restons calmes. Restons calmes. Il y a une ouverture sur le côté gauche. Putain, il faut passer par là. Il y a le loup. Ne saute pas dessus, connard. Ne saute pas dessus. Vite, 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 vite. Oh la vache, où est-ce qu'on est, quoi? Ça y est, on est en enfer, c'est ça? Un livre? En théorie, une source savoir à pratique du sud. Ah, il y a plein de livres, en fait. Comme elle dure pas longtemps, la fusée. Comme elle dure pas longtemps. Elle vient de nous sauver la vie, par contre. Boîte en carton, y'a rien dedans. Ah, c'est quoi ça? Conserve recyclée. Oh! Oh, je savais pas qu'on pouvait trouver des trucs dedans. Oh, c'est énorme ça. Ça, c'est énorme. Encore un livre. On peut prendre ça? Non. On est vraiment dans la nouvelle zone. Ça, c'est des loups gris, je crois. Et c'est quoi cette barre en dessous? C'est leur vie? Genre, il faut quoi? Il faut tous les tuer pour être tranquille? Oh, réfrigérateur. Ah, c'est des nouveaux objets, en fait. Il y a quoi derrière? Un balai. C'est des nouveaux objets à fouiller. C'est bien. On peut dormir ici. Putain, comment on va faire? On a les loups derrière. On a les loups à l'extérieur. Comment on va faire? Ah, on a récupéré ça. Pour l'instant, on va pas... Ok, let's go. Faut qu'on continue à fouiller. Ok, il n'y a pas de loup. Mon dieu, c'est tout, c'est ouvert. C'est quoi cet endroit? C'est ouvert. On peut pas ouvrir. On aurait dû se réchauffer, j'ai été con. J'ai été con, on aurait dû se réchauffer. Ça, c'est pour le bois, non? Où est-ce qu'on est? Oh, il y a un coffre. Il y a un cadavre. Faut aller se réchauffer. Ok, on a l'air d'être tranquille. Mais c'est tout ouvert! Oh mon dieu, oh mon dieu. Ouh! Je suis sur le rebord. Ouch. Ouch.
Come on, okay. Come on. Je suis tombé, comment on remonte maintenant? Vite, 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 on remonte. Ok, ok, ok. C'est vraiment chiant. Flèche simple, c'est cool. C'est quoi ça? Je pense qu'on est pas mal pour faire un feu là. On va faire un feu et on va récupérer la viande aussi. On va récupérer la viande, on va faire un feu. J'espère que c'est con et... Ah putain, moins 40, d'accord, ok, non, on va pas rester là. Non, il y a une tempête maintenant, tu te fous moi. Il reste combien de flèches? On rentre. Faut qu'on retourne dans le truc là. Oh mon dieu. Succès déverrouillé. There will be blood. Je sais pas ce que ça veut dire. Il va avoir du sang. Pourquoi? C'est parce qu'on a tué les loups. Ok, douleur, hyper, risque d'entorse, ça va, c'est cool. On va continuer les calories. On va continuer les calories. On a le loup. On va aller manger du loup. On va aller manger du loup. On en a tué combien? Un seul, je crois. Le reste, on leur a tiré dessus. Il nous reste seulement 3 flèches. Seulement 3 flèches. Faudra aller voir si on peut pas les trouver. Si on peut pas les trouver. Faut récupérer les flèches à tout prix. Faut vraiment récupérer les flèches à tout prix. On est à 37 kilos. Ça. On va dormir, on va manger. Bon, je pense que eux ils s'en foutent complètement des appâts. On va manger ça parce que je crois qu'eux ils s'en tapent. Eux ils sont là pour nous bouffer. Ils sont vraiment là pour nous bouffer et basta. Rien d'autre. Ça, on fera ça plus tard, on va dormir. Ouf, on se repose et quand il fera beau, on va... Enfin, quand il fera beau, quand il fera chaud, on va aller récupérer la viande. On va aller récupérer la viande du loup. On est en pleine nuit. Le temps a l'air d'être aussi pourri, c'est bien. C'est assez mouvementé là j'avoue. Là c'est assez mouvementé. C'est assez mouvementé. C'est sympathique. On est à combien? On est à 33 kilos. On va pas taper dans les réserves encore pour le moment. Mais c'est possible qu'on... Peut-être...
On va voir. On va peut-être pas le faire. Je sais pas. Elle est en pleine forme. On va peut-être pas le faire parce que je sais pas encore si ça vaut le coup de garder, de rester en positif. Pour les calories. Ok, le temps a l'air de s'améliorer. Ok, on va aller voir. Ok, on va aller voir. Mobile home, on se baisse, on sort. Ok, on va repartir de ce côté-là. J'ai combien? Moins de 34! C'est un peu chaud quand même. Moins 25. Ça fait... Non. Il y a combien? Il y a 5 litres... 5 œufs. Il y a 4. 4 kilos. Ah, mais il nous faut de la viande. Ah, on va faire le cheval. On va quand même faire le feu. Ce que j'étais en train de me dire, plus il fait froid et plus il faut un feu fort en fait. C'est ça le problème. Plus il faut un feu fort pour contrer le froid. Donc bon, s'il fait moins 50 000 degrés, ça vaut pas le coup hein, d'essayer de faire un feu. Mais là, on a besoin de la nourriture, donc on va faire le feu quand même. Il fait moins 25, on va devoir utiliser beaucoup de bois. On va devoir utiliser pas mal de bois. Ok, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Ce qu'on va faire aussi, c'est ça. Pour le réchauffer. Voilà. Et on va mettre le faitout aussi. C'est ça. Enfin, quoique, on n'a pas besoin. Apparemment, c'est pas assez chaud. On a 4 heures de feu. Ah, ça y est. Ok, ça dégèle. Très bien. On va faire 50. Ça fait 20 minutes, à peu près 25 minutes. Donc on fait hop. Comme ça on prend un steak. Et on peut le faire cuire direct. Très bien, 55 minutes. Ce qu'on va faire c'est ça. Voilà, comme ça on se réchauffe direct. Ouf, pas mal. Qu'est-ce qu'on a en ressources? Il faut qu'on continue à faire ça parce qu'on a que des que les antibiotiques pour notre maladie. Eau non potable, 9 minutes. Est-ce qu'on peut le faire à la main? On peut le faire à la main, mais c'est 20 minutes. On va faire autre tour. Ok. Alors, on veut ça d'abord. 38 minutes, 8 minutes. Très bien. Ouf. Encore heureux qu'on est haut en niveau de tout. Hein. Genre récupérer les... Récupérer la viande et tout ça. Honnêtement, sinon on serait dans la merde. Faut faire gaffe au temps si le... S'il fait encore plus froid. Minutes. Le vent se lève. Ça va, on a toujours chaud.
Voilà, on pose ça. 11 minutes, 2 minutes. Bon, ça va. Ça va, on a un feu encore de 4 heures. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça se passe nickel. Alors, je pense qu'on a tué les loups. Je pense qu'on a... On a récupéré quoi? On a récupéré des vêtements aussi. Yes. Je pense qu'on a... On a tué la bande de loups ou un truc comme ça. Je sais pas comment ça marche. C'est quoi le bruit? Non, c'est rien, c'est le bois qui fait du bruit. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu le succès et que... On a combattu, enfin voilà. Alors ça veut dire qu'ils sont peut-être morts, ceux qu'on a touchés avec nos flèches. Donc le mieux, ça serait d'aller les trouver et de récupérer les flèches. Parce qu'on a que 3 flèches. On a seulement 3 flèches et ça, ça va être un problème. Très bien. Faut qu'on fasse de l'eau aussi parce que là je suis en train d'épuiser toutes mes ressources d'eau. Ouais. On pourrait prendre la fourrure, mais est-ce que c'est vraiment utile? 30 minutes. On va manger. Ah, parfait. Très très bien. Très 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 bien. Neuf minutes pour faire fondre. On a encore 50 minutes à attendre. Fou, c'est stressant. J'avoue, c'est stressant. Merde. Ah putain. Ouais, le froid, le froid, le froid. Il commence à faire froid dehors. Ça va toi? On t'a bien eu hein. Ah oui, on en a tué un autre aussi quand on est tombé. Donc on pourrait aller... ouais, il faudrait qu'on retourne... C'était sur le ponton, je crois. Ah, là! Il y a les corbeaux. C'est là, c'est là, c'est là. Ici, là. Donc faudrait aller récupérer... Faut faire le tour, faut récupérer la flèche. C'est important. 15 minutes, 9 minutes, très bien. Ouais, faut aller récupérer les flèches. Il fait froid ici, hein. C'est vraiment un endroit de merde. C'est vraiment un endroit de merde. Ah oui, ce qu'on peut faire aussi, je conseille... On va faire hop hop. On va les mettre à côté. Pour que ça les réchauffe en fait. Ça on va le prendre, de toute façon on l'utilise pas. Voilà, ça les réchauffe. Et on les garde au chaud, comme ça on peut les boire directement, si jamais on en a besoin. 3 minutes. Alors, on a combien d'eau sur nous? 2 litres. Ah, oh, il fait encore froid. Non! Il y a du vent, il n'est pas protégé du vent. Le feu, merde! Ah, oh, j'ai merdé. Ah, oh, le con!
On a perdu beaucoup de bois là. Ok, on se casse. Ok, on est de retour ici, ça. On va déposer la viande qu'on a... On a deux steaks à faire cuire. En bois, on n'a plus que ça. On a un charbon. Faut qu'on récupère du charbon, du bois. Faut qu'on aille récupérer la flèche aussi, j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est stressant. On va déposer la viande par terre. Ça va être notre maison ici pour le moment. Ça, on garde. Ok. On va dormir une heure, le temps de se réchauffer. On va voir deux. Non, une heure. On va voir. Ok, le vent s'est arrêté. Donc ça c'est bon signe. Ok, très bien. On a pris une dose aujourd'hui de thé. Donc... La flèche d'abord. Ok, donc lui il est... On peut monter. Je sais pas les emplacements d'objets. Ok, très bien. Même si ça ne sert à rien. Les voitures. Je vois pas de loup. On arrive. Putain, on est à l'avant. J'ai cru qu'on était à l'arrière. Il y a une tempête qui se lève. Super. Là, 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 là. Non, c'est pas un bâtiment. Merde. Rentrer. Qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri, quoi. Que dalle. Ok, ça c'est bien. Ok, ok, ok. Ok, on rentre, on rentre, on rentre. Ah, ça, on peut y aller là, dans celui-là? Non, ça c'est un. Non. Y'a pas de la nourriture? On peut pas l'ouvrir, non? Oula, c'est pas. C'est pas joli, joli en fait cet endroit. C'est pas top. Il y a apparemment un seul endroit où il fait beau. Enfin, où on peut rentrer, pardon, où il fait beau. Enfin, je voulais dire chaud, en fait. Oui, il y a que ici. On va réparer ça. Ok, le vent s'est amélioré. On a récupéré notre flèche.
On a récupéré notre flèche. Il faudrait récupérer la viande du loup. Ok, novice. Ah oui, on a récupéré des bottes aussi, ça sert à rien. On va les déposer, on les met là. Je crois qu'on a aussi récupéré d'autres choses, non? Qui ne sert pas à grand chose. Ah, ça. Oui, d'accord. Boîte de sardines à 7%. Alors, non merci, ça ira. Je crois que je vais passer sur ça. On est 14 sur 20, très bien. Ok, on a tout ça, ça c'est bien. On a les antibiotiques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on a du mal à récupérer notre vie. Parce qu'à chaque fois, il fait froid. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais ça va, on arrive à jongler pour le moment. Je crois que ça serait pire, c'est de rester affamé, en fait. Donc il faut absolument trouver des calories. Je suis en train de... poser ça. Je suis en train de me dire que peut-être on devrait aller... On va voir si on peut pas récupérer la viande. Récupérer la viande du loup qui est qu'on a tué sur le ponton. Mais vu comment il fait froid, ça va être la galère. Faudrait qu'on visite un peu mieux. Je vois aucun. Je vois aucun corbeau. C'est super bizarre. Je pense qu'on a tué les loups, mais les autres loups, je pense qu'ils sont morts, ceux qui sont. On leur a tiré. Je crois qu'il y en a deux. On leur a tiré dessus. Il y en a deux. Par contre, il nous faut du tissu. Donc, je pense qu'ils sont morts. Mais. Mais il n'y a pas de corbeau, quoi. Il n'y a pas du tout de corbeau. Très, 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 très intéressant. Bon, on a du bois, on peut faire du feu. On a quoi encore, Calor? On a 9840. On va dormir. Il faut qu'on dorme. Il faut qu'on dorme, mais je crois qu'on va refaire un feu. Je sais pas où, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu d'endroit qui était tranquille, quoi. J'ai pas vu d'endroit safe où on pouvait faire du feu, quoi. C'est vraiment, vraiment une catastrophe, ça, par contre. On va manger ça. On a 3 steaks encore à faire. Ce qui est pas mal. On va dormir le plus possible. Est-ce qu'on dort le plus possible? Ouais, on va dormir le plus possible. Et on va essayer de... après, on va faire le feu pour faire cuire les 3 steaks. Et puis, on va essayer de... Je sais pas, on part. Je crois qu'on va partir d'ici. Ça, ça devient dangereux. Et j'ai pas trop envie d'attendre que les loups reviennent. Donc voilà.